because I got high. Because I got high. Salut à tous, je m'appelle Danny Stone et bienvenue pour un nouvel épisode d'Imperator Rome avec la grande et glorieuse tribu des nerfs. Donc dans le dernier épisode, on a pété la gueule aux Varins, du coup on a pris leur seule et unique cité de Varinia. Et du coup on était juste en train de se préparer pour balancer une guerre contre les Bèdes qui allaient ramener à leur tour les Sorbes en guerre contre eux. Et nous on avait donc les Tibures et les Pessiques avec nous. Et je pense que bah, sans parler plus, on va y aller, on va leur péter la gueule, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je suis bien motivé. Alors du coup les Pessiques on peut les appeler et les Tibures, donc les 3 contre 2, normalement on a largement de quoi faire. Alors... J'espère, hein, mais je pense que ce jeu, il peut être particulièrement bâtard parfois, il peut vraiment te faire mal si tu fais de la merde. Donc là, j'espère que j'ai pas fait du caca. Donc là, hop, on déclare la guerre, bim bam boum, c'est déclaré, c'est parfait, et ils ont honoré notre alliance, les mecs, donc c'est parfait. Et là, du coup, on va directement y aller. Et du coup, normalement, il pourra pas se barrer à temps, on l'attaque des deux côtés. De toute façon, s'il se casse à temps, ce qu'on fera, c'est que on va suivre les troupes. Alors, il a pas de morale, lui. Par contre, il s'est barré avant l'autre. Mais c'est pas très grave. Donc ça, c'est fait. Tac. Nickel. La première bataille a été remportée. D'ailleurs, on va peut-être aller finir... éclater ces 4000, là. Juste pour pas qu'ils se rassemblent. En plus, le fort que j'ai, là, il va faire office... Enfin, il va prendre la cité, si tu veux. Donc ça va être nickel. Donc là, déjà, ça va être éclaté. Tranquillou, tranquillou. Ok, lui, je fais éclater là-bas. Ok, ok. Est-ce qu'il va me le passer? C'est ça la question qui se pose. Je pense pas qu'il va me le filer. Donc faudrait que j'y aille s'il se casse, en fait. J'aimerais bien qu'ils me le transfèrent quand même. Ah, les superates, ils ont déclaré la guerre aussi, ces bâtards. Bah pourquoi? Ah, ils ont déclaré la guerre en même temps, du coup. Ok, c'est intéressant ça. Ok, c'est très intéressant, mais c'est pas grave. D'ailleurs, là, hop, on va mettre en pause. Alors, je vais voir si je peux pas aller assiéger le petit truc là-bas. On va voir si je peux le faire à temps, avant que les autres arrivent. Par contre, ils ont 5000 bonhommes qui vont arriver, donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Parce que j'aimerais bien occuper cette terre, en fait. Alors là j'y vais et normalement je gagne. Ou non, on va attendre, on va juste attendre un petit peu. Là normalement on doit pouvoir le gagner. Allez allez allez, avec un peu de bol les mecs ils vont venir m'aider. En plus ils sont cachés bien avant, donc c'est très très bien. Allez. Alors là il y a une bataille, on la gagne. Et on emprisonne quelqu'un, on emprisonne qui là? Et général. On emprisonne leur général, donc c'est plutôt bien. Donc là on le bloque là, donc déjà là ça va être à nous, on va pouvoir le prendre. Donc c'est très très bien, et là je vais pas bouger. D'ailleurs on va demander, hop, les rattachements autorisés, comme ça les alliés ils peuvent venir sans moi. Et c'est moi qui a le contrôle du siège, donc ça veut dire que normalement c'est moi qui prends les terres quand le siège va être terminé. Donc avec un peu de bol les mecs ils vont s'attacher sans moi quand même. Enfin je l'espère. Voilà, il y en a qui sont attachés, donc c'est très très bien, ça veut dire que c'est moi qui va le prendre, c'est superbe. Ça, c'est occupé par les autres, par contre. Mais après, il faut prendre le fort hein, pour prendre ça aussi. Donc, à mon avis, c'est que si j'arrive à prendre le fort, lui, il va pas pouvoir faire la paix. Juste pour ça, il faut qu'il contrôle le fort également. Ok, là, il y a 6000 là-bas. Mais après, il n'y a rien, franchement. Manque de matériel là, moins 28% sur les deux. Donc, ça va pour le moment. C'est maîtrisé. C'est contrôlé. J'aimerais vraiment que ça se fasse vite, par contre. Parce que plus longtemps qu'on dure dans la guerre, le plus on peut être ciblé par les ennemis, quoi. Si jamais il y en a qui veulent nous attaquer pendant qu'on est en guerre, c'est tout à fait possible. Il y a pas mal de parties que j'ai faites où je suis en guerre et l'ordi décide d'attaquer à ce moment-là. Et attaquer nombreux, hein.
Donc là, c'est moi normalement qui mène. Ouais, c'est moi qui mène le siège là aussi. Donc ça, c'est bon. On est à 7%, 0% là. Ça avance bien comme il faut. Et comme ça, normalement, on va récupérer ça. Ça en plus, déjà, ça serait pas mal. Et on commencerait à être relativement grand quand même. Et après, il faudrait juste qu'on trouve des cibles après à attaquer. Eux, ils ont quand même des alliés, hein. Ils en ont quand même pas mal. Après, j'espère qu'avec toutes les terres qu'on va récupérer, avec un peu de bol, on aura largement de quoi attaquer. Disons ça comme ça. Alors, toujours un peu plus de pognon, 0,61, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus terrible. Encore une fois, j'espère qu'en prenant ces terres, on va avoir un peu plus d'opportunités à se faire de la maille. Allez, 21%, dis-moi que ça a tombé là. Un peu de bol, ça serait pas mal. À 21% que ça tombe, j'avoue que je serais plutôt preneur. Allez, allez, allez. S'il te plaît, par les dieux. Non, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Mais c'est pas grave. De toute façon, on a le temps. On n'est pas pressé. On a le temps. Ouais, j'assume déjà le commandement du siège, donc c'est très bien. J'assume le commandement de partout, donc franchement, c'est moi qui contrôle. Par contre, je perds un peu d'effectifs quand même par mois, donc j'aimerais bien que ça se finisse vite là. 35 et 21% quand même, dépêchez-vous les gars. Ah, là, ça a tombé quand même. Allez. Non, même pas, manque de bouffe. Et pareil, manque de bouffe, donc 42, 35. Après, ça avance, mais toujours pas assez rapide. On a pris des esclaves en plus ou pas? Oula, ah si, on a pris quelques esclaves, maintenant on en a 3. Ouais, par contre là, il est en train de capturer des peuples, plus bâtard. J'aime pas ça du tout. Après, tant pis, hein, il est comme ça. C'est comme ça. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est les terres. Il peut assiéger mes trucs s'il veut. Je m'en fiche un petit peu. Ah, par contre, les gars, là, 42%, ça a tombé, quoi. Tu vas pas me dire que ça a resté bloqué, quand même. Ça arrive souvent, ça. Hein. Il y a des moments où je me dis, putain, c'est relou. Ça reste bloqué à 42% et ça va pas tomber, quoi. Pareil, 42%, ça va pas tomber. Ah, ça va quand même tomber à un moment donné, quoi. Au lieu de faire n'importe quoi. Allez, 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 allez. Dis-moi que tu vas tomber là. Ah, ben non, sérieux, un manque de nourriture encore. Je reste bloqué à 42%. C'est quand même incroyable, c'est très frustrant hein, parfois. Extrêmement frustrant. Voilà, le siège là-bas, il a été remporté. Alors, rite religieux. Des tensions apparues ces derniers temps entre les prêtres et les paysans. Le peuple considérant souvent les cérémonies religieuses comme trop inaccessibles et éloignées d'eux. Mais le grand prêtre Kata Durata et ses subordonnés, quant à eux, exigent qu'une certaine distance soit maintenue afin de pouvoir accomplir leurs fonctions correctement. Et ajoutent par ailleurs que ce n'est pas la place des humbles que de participer au rituel. Donc soit je perds 5 en stab. Je prends un peu d'agitation dans le pays, mais la puissance des présages augmente et leur durée aussi, et le grand prêtre y gagne en loyauté. Ou je peux prendre de la stab. Je peux pas acheter le grand prêtre. Elle perd en loyauté ou pas elle? Ah. Bon, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va perdre la stab, on va prendre l'agitation, on va prendre la durée et la puissance des présages, et on va prendre un peu de loyauté. Parce que bon, j'ai pas envie qu'elle soit déloyale quand même. Non, mais tu vas rester là, toi. Eux, ils peuvent combattre s'ils veulent, ils vont le gagner, il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, hop, toi tu vas aller là-dessus. On va vite aller le prendre. Allez, 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 faut y aller. Eh oui, c'est tombé, c'est nickel. Donc normalement là, on va pouvoir peut-être faire la paix. On doit pouvoir prendre ce qu'on veut prendre. Pas encore. Ok, il n'y a pas de problème. Ben, on va essayer de choper ce qu'il y a à côté. Voilà, bim bam boum, et normalement c'est moi qui va l'occuper, avec un peu de bol, ça va être fait, et après on pourra finir la guerre. Et on aura, enfin on va avoir 4 terres en plus. Et voilà, c'est fait, c'est occupé, c'est nickel, et maintenant on va faire la paix, très très vite. Je prends quoi? Je prends 3 en expansion agressive, c'est quand même que dalle, et ça augmente considérablement nos possessions. On prend, ouais, on prend que 3, donc allez hop, pourquoi pas.
Et voilà, ça c'est nickel, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va bannir. Allez, on va les bannir, on va réduire cette expansion agressive qui peut agir sur la manière dont les personnes nous voient. Ce fort là, on va le garder. Là c'est dans quoi ça? Là ce fort, on va l'enlever du coup maintenant, par conséquent. On va garder celui-là, et celui-là, on va garder les deux. Lui, j'en ai plus trop besoin, je pense. Ou quoique. On va enlever celui-là. Voilà, on va enlever celui-là parce que lui il est intéressant parce qu'il permet de bloquer le passage par là. Parce que les forts c'est une zone de contrôle en fait. Et pour qu'ici il va passer par là, il peut pas faire le tour comme ça, il faut qu'il prenne le fort. Donc c'est pour ça qu'on va le garder celui-là, il est très important. Donc ça c'est gardé. Ici toi tu vas aller à Germanicum, vous vous allez aller ici. On va quand même patrouiller un petit peu ce qui se passe là-bas. Toi on va te faire... allez, on va t'enlever le contrôle des troupes. Parce que bon, j'ai pas envie que les troupes soient trop loyales envers ta gueule. Quand même, pas déconner. Et là on a pris quoi déjà? Là on a pris quoi? Ah, on a pris des chevaux. Ouh. Ça c'est intéressant. Donc maintenant on peut lever des chevaux. Donc on peut faire de la cavalerie. Ça c'est cool. Et on a pris quoi là? C'est des fourrures? Fourrures, chevaux, bétail. C'est parfait, en plus on a un surplus de bétail. Là c'est très bien parce que là ce qu'on va faire, c'est que à mon avis on va remplacer, donc dans les armées là on a des... Voilà, les chars là. On va les remplacer par de la cavalerie légère. Alors viens, on va regarder ce que la cavalerie légère ça fait. Donc dommage contre quoi? Donc dommage contre les chars plus 25%. Ouais, infanterie légère plus 25%, archer plus 25%. Mais ça va être de la cavalerie légère de toute façon, il n'y a pas à chier. Alors, les Lones, ils veulent une alliance, c'est les Groves aussi. Alors c'est qui ça? Les Lones, c'est eux, les Groves, c'est là. Alors... Est-ce qu'on... On a quoi là en termes de diplomatie là? On a la posture neutre. On va le changer. Peut-être la posture d'apaisement. Ouais, on va faire la posture d'apaisement. On va essayer d'apaiser un peu les peuples qui sont aux alentours. Mais ça veut dire que là je suis à 2 sur 2. Donc non, il n'y a pas d'alliance avec vous les gars. Donc déjà, part. Voilà, ça c'est cassé, ça c'est nickel. Donc on a le fort qui est là, on a un fort qui est où? Pourquoi c'est... Pourquoi il n'y a personne? Je comprends pas là. Ah, c'est qu'il n'y a plus personne ça, tout était buté en fait. Ah, je suis dégoûté. Mais pourquoi ils sont morts? C'est ça que je comprends pas en fait. On va déplacer un peu des pops du coup. Où est-ce que j'en ai à déplacer? Donc là j'ai des tribaux à déplacer. On va en déplacer. Voilà, parce que là c'est pas possible. Donc 5 balles. 5 balles. 5 balles aussi. Ok, là normalement je dois en avoir assez. Même pas, même pas, même pas. 8, ah je suis à 9, je suis à 9. Il me faut un mois, allez, un mois. Il me faut un peu de sous en plus, après on peut le coloniser. On peut le reprendre. Parce que je veux quand même le prendre celui-là. Il faut 2 mois quoi, il faut tenir 2 mois. Et en 2 mois on pourra peut-être le choper. Parce que c'est à moi ça, j'ai fait la guerre pour ça là. Allez, 4. Ouais non, il est en train de perdre des troupes, on va le mettre à côté. Alors, pop, ajouter pop, allez là. On va accélérer un peu la vitesse, juste pour finir dans moi. Parce que j'ai juste envie d'avoir ces sous pour le faire. Ça c'est fait, c'est nickel. Et du coup, maintenant, on va faire, hop, déplacer, et là, coloniser. Ah, j'ai pas le pognon, il me faut 5 maintenant. Ok, d'accord. Alors là, maintenant, les mecs, ils veulent quoi? Ils veulent importer du bétail, c'est qui? Antécamulien, Namnet et Coriosolite. Ouais, Coriosolite, ça a l'air classe. Allez hop. Ah, mais c'est que je peux en faire plusieurs là. Pourquoi ça le. Mais c'est pas normal ça. Je
comprends pas là. Là, c'est du bétail, mais j'ai pas de bétail en rap, quoi. Donc, non. Enfin, je sais pas pourquoi ça me le propose. Normalement, je. Ouais, non. Normalement, c'est non, quoi. Mais bon. Du coup, ça, c'est pas grave. Là, maintenant, il faut juste qu'on ait les 5 balles pour pouvoir coloniser Baedia, là. Parce que, bon, ouais, c'est quand même. Je le veux, quoi. Après, bon, eux, ils ont pas de. Ouais, ils ont pas assez de pop sur. Ouais, ils ont pas de D-pop sur la frontière, donc ils peuvent pas le coloniser. Moi, je les ai. Donc, franchement, c'est pour ça que ça va pas trop me poser problème. Je peux attendre pour avoir les 5 balles sans avoir de soucis. Je peux attendre autant de temps que je veux. Ça, c'est cool. La prochaine victime, je pense que ça va être ces mecs-là. Hein. Je pense que ça va être. Parce qu'il y a l'événement là qui était là à Nouillon. Et du coup, il fallait prendre possession de la cité pour savoir la suite. Alors, xénophobie, ces derniers temps, une vague de xénophobie a balayé les nerfs, qui fait regarder avec une grande méfiance toute valeur étrangère. Mais même si au palais les débats vifs ne sont pas rares, notamment lorsque les membres éminents de la société sont impliqués, tous ceux qui s'y trouvaient présents aujourd'hui se sont accordés sur le fait que avait été trop loin en accusant la chef de tribu d'encourager les pratiques barbares des Ladvotiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qui toi? Ah, t'es un général, c'est ça toi? Bah non, je vais commencer à te voir comme un rival, mais j'ai pas envie de te casser les couilles. Donc on va rester comme ça. Alors je fais du 1-20 maintenant, c'est un peu mieux. Donc eux, les suites, on va les laisser avec des chars. Et nous, on va faire une armée de. On va remplacer les chars par de la cavalerie légère. Juste parce que c'est beaucoup plus efficace que les chars. En fait. C'est tout simplement ça. Alors, du coup, ouais, après, il faudrait trouver ouais, comment de péter ces mecs-là. Après, dans la province, ouais, là, on a quasiment toute la Galicie septentrionale. Il manque juste des petits bouts, là. Donc, ouais, ils sont allés avec les Pessiques. Donc, j'ai pas envie de baiser cette alliance avec les Pessiques encore. Je les ai besoin pour péter les Silènes. Et là, je peux. Oui, j'ai colonisé le truc, c'est cool. Voilà. Voilà, c'est bon ça. Donc maintenant j'ai récupéré ce qu'il y avait. Par contre, il n'y a plus de fort. Ouais, c'est dommage, il n'y a plus de fort. Donc, tant pis. Tant pis, tant pis, c'est pas grave. On va laisser les mecs là. Ils sont en train d'augmenter les suites. Donc c'est bien ça, ça veut dire plus de troupes pour les suites. D'ailleurs, on fait un petit peu plus de pognon, donc c'est pas trop mal. J'aimerais bien en faire un petit peu plus. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour encourager les échanges? Non. Parce que ça coûte 76 d'influence politique, donc c'est beaucoup trop. Ouais, ils ont pas grand-chose. Eux, ils sont alliés avec les Silènes, les Caldons et les Int. Ouais. Ouais, de toute façon, il va falloir faire une bonne grosse guerre à un moment donné, mais là, de toute façon, il va falloir qu'on se reste, enfin, il va falloir qu'on se stabilise. Je vais peut-être même sacrifier un cochon à un moment donné pour augmenter un peu la stab. Ouais, parce que j'aimerais bien passer des lois quand même. Alors, tentative de centralisation. Pouvant constater, comme tout un chacun, que la population se rassemble progressivement autour des centres de la tribu, le magistrat Vassura Mandonia vient de suggérer certaines mesures pour renforcer l'unité des nerfs. Accepter sa proposition va nous coûter cher en or, mais ne pas suivre ses conseils le décevrait certainement grandement. Ouais, mais je peux pas là. J'ai pas l'argent. Donc il va perdre en loyauté ce magistrat. D'ailleurs, on va aller voir sur les mecs là. D'ailleurs, toi, on va te remplacer parce que non, on va te mettre lui à ta place. Quelqu'un de loyal. Je préfère des mecs loyaux que des mecs non loyaux. Donc c'est pour ça qu'on va le changer. Personnages déloyaux. Ouais, c'est normal. C'est normal, mais bon, c'est pas grave, je préfère l'avoir déloyal que. Enfin, je préfère l'avoir déloyal et pas en fonction que déloyal et en fonction. En fait, c'est surtout ça. Là, du coup, il faut qu'on la joindre à l'armée. Donc, ça coûte combien ça? Ça coûte 7 balles pour faire une unité de cavalerie. Bon, on va bientôt les avoir. Ça va le faire. J'espère. Alors, par la suite. Donc, tout ça, c'est bien. Pour le moment, c'est nickel. Franchement, je me tâte de passer une loi. Je me tâte vraiment.
Est-ce que je fais passer? Frappe de monnaie. Allez hop, on va faire passer. Certes, je suis bas en stab, mais bon, ça a augmenté. Vu qu'on est bas, ça va augmenter, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Satisfaction de la culture dominante. Ouais, c'est bon. Franchement, c'est bon, ça va pas trop nous poser problème. Je préfère le passer juste justement pour avoir ce côté augmentation de la centralisation. Je veux faire des barbares civilisés en Ibérie. Pas des sales barbares. Alors du coup là, on a donc... ouais, les effectifs ils sont bons, donc on n'a pas trop besoin de reprendre ça. La suite des guerres, elle a baissé. Satisfaction des tribaux, pas la peine. Évolution mensuelle de la civilisation, ça peut être pas mal. Production des esclaves. On en a beaucoup ou pas? On en a quelques-uns, des esclaves. On peut peut-être le faire. Ce qu'on va faire, on va essayer de le faire. Donc là, on fait 1,08. On va tenter la bénédiction de la production des esclaves. Donc on fait 1,08. On va voir à la fin du mois quand ça va changer. Donc il faut se rappeler 1,08. Et puis on va voir le changement que ça a fait. Et puis on verra si c'est conséquent par rapport au nombre qu'on a. En fait, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Alors eux, ils sont en guerre contre qui eux? Ils sont en guerre contre les Tamagan. C'est pas mon problème. C'est leur guerre à eux. Moi, ils m'en bat un peu les reins. D'ailleurs, on n'a pas de revendication sur les mecs là. Non, on n'a pas de revendication là-dessus. Il faudrait qu'on en fasse une à un moment donné. Donc c'était 1,08. 1,16. Ouais, ça vaut pas le coup. Hein. On gagne 0,8. 0,08. Ouais, ça vaut pas trop le coup. Franchement, ouais, ça vaut pas trop le coup. Donc c'est pas grave. Ah d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais on a une terre dans... Ah non, c'est deux terres, donc dans la nouvelle... dans la province de Galicie méridionale, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc il nous manque juste ça et ça, maintenant, pour pouvoir former... unifier la Galicie. Donc ça, c'est l'objectif, le premier objectif à court terme. Ici, on va faire adjoindre à l'armée. Ça coûte plus cher. Ouais, ça coûte un petit peu plus cher que les chars, mais on va en recruter quand même. On va faire former une nouvelle force, on va prendre ce char là, sélectionner, et on va le démanteler. Ça me coûtait 1,50 pour le démanteler. Parce que je démantèle des troupes loyales, mais c'est pas grave. Voilà. Et du coup on va le remplacer par une unité de cavalerie légère. Ça c'est très bien. Boum boum boum. Parfait. Et du coup je peux peut-être même démanteler les deux autres. Ouais, si on va démanteler les deux autres là, parce que ça me coûte de l'argent. Et du coup, on va les virer. Donc on verse 1,50 aussi. Mais normalement, on doit faire un peu plus de pognon, on doit passer à 2 par mois ou quelque chose comme ça. Ça permet d'atteindre les 7 le plus rapidement possible. Alors, par contre, non. J'ai oublié de changer là, il faut mettre... ouais, eux et en flanc, donc les cavaleries, les unités d'aile, la cavalerie légère... Unité de seconde ligne, donc ça va être infanterie légère, et unité de première ligne, les archers. Ok, ça c'est bon. On fait 1,62, ça va peut-être changer à la fin du mois. Même pas, donc 1,62, mais c'est pas grave, on va le faire relativement vite quand même. Ils sont juste alliés avec les Pessiques, hein, franchement. Pourquoi les Pessiques ils rentrent avec eux quoi? Pourquoi ils rentrent avec eux? Il faudrait qu'ils rompent leur alliance. Il faudra un peu plus de profondeur dans les actions diplomatiques quand même. Pouvoir peut-être influencer, je sais pas, faire un truc où tu peux influencer les dirigeants à rompre des alliances ou, tu sais, un peu plus d'intrigue. Ça serait pas mal. Je dis ça. Mais c'est vrai que ça serait pas mal du tout. Donc, les Braquards, ils ont 9000 mecs. Ok, donc ça c'est noté, 9000. Les Groves, ils ont 9000. Donc ça fait 18000. Et eux, ils ont les Lunes, ils ont 8. Ok, d'accord. Donc ils ont quand même pas mal de troupes. Pas déconner. Pourquoi lui il a 21 000? Ah, c'est des mercenaires. Pourquoi il a des mercenaires lui? Je comprends pas. Non, ça doit être pris en compte dedans. Mais non, c'est qu'il y a des mercenaires en fait. Ok, d'accord, ils sont pas à lui. Il a pas le pognon. Ah, il a un peu de pognon quand même. Ouais, il a un peu de sous.
Il va falloir qu'on réfléchisse comment on va agir contre lui. Bref, soutien d'un clan. Un messager est arrivé au clan des Galbi pour proposer de la part de sa chef Kunovina un accord qui devrait s'avérer bénéfique pour tous. Si sa proposition est acceptée, elle veillera à ce que Maeve Durata demeure populaire au sein de son clan, tout comme celle-ci assurera qu'elle le soit, chez tous les Nériens. Cela pourrait être une bonne occasion pour la chef de tribu d'accroître sa prééminence, et n'ayant pour cela qu'à œuvrer pour celle d'une alliée. Assurément, le prix semble bien modeste au vu des bénéfices en tirés. Soit on perd de l'argent, on perd de l'influence politique, et on gagne en prééminence, mais c'est mort. Je peux pas, j'ai pas l'argent, on va perdre un peu de loyauté, l'apothicaire va perdre de la loyauté, et on va perdre de la prééminence, mais ça c'est pas grave. Franchement, j'ai pas l'argent, et l'argent on veut pour faire de la cavalerie. Pour être un peu plus efficace. Alors, on a une, deux suites, ok, donc les deux suites, ça va, c'est pas trop mal. Pour être un petit peu mieux. Ouais, je sais pas comment on va faire pour cette guerre-là. Peut-être invité dans une ligue défensive. Ouais, lui, je peux l'inviter dans une ligue défensive, et lui aussi, donc on va inviter dans une ligue défensive. Ah, ça fait une autre relation diplomatique, en fait. Ah, merde. C'est ballot, ça. Ouais, il va falloir que je sorte de la ligue défensive. Bon, on va sortir de la ligue défensive, allez hop. Franchement. Ouais, non, je savais pas que ça faisait un autre... comment dire? Je savais pas que ça faisait une autre relation diplomatique. Vu qu'on est déjà allé avec eux, je pensais que ça le prenait en compte, mais non. Du coup, c'est pas grave, on va faire une autre unité de cavalerie légère. Et après, peut-être deux unités d'archers, deux unités d'infanterie légère, peut-être en plus. Ça pourrait être pas trop mal. Déjà, il faut faire du pognon, et j'en fais pas assez. Les braquards, c'est qui les braquards? Braquards, où êtes-vous les gars? Les braquards. Alors les braquards, c'est ici. Mais je peux pas les gars, parce que j'ai pas de... Comment on va faire? On va refuser l'alliance des braquards. Donc on est allié avec lui. On est allié avec les Tibures. Et je vais peut-être essayer de faire une alliance avec... avec les Superates. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. On va proposer une alliance. Parce que... Enfin, quoique, je vérifie. Hein. On va peut-être proposer une alliance parce que... Ça vous permet d'avoir un peu plus de soldats. Ils en ont combien? Ils ont 8000. Ils sont en guerre ou pas? Non, ils sont pas en guerre. Ouais, ils sont pas du tout en guerre. Ils ont quoi comme soldats? Je sais pas. Alors, déjà, on va proposer une alliance. Ok, donc ça, c'est fait. Et ensuite, on va rectifier ce problème en allant en diplomatie. Et on va changer ça aussi. On va prendre la posture. Allez, hop. Neutre. Ah, il en faut 39. Ok, il faut que j'attende un tout petit peu. J'attends d'avoir une dizaine d'influences politiques en plus, je prends la posture neutre qui me permettrait d'avoir 3 alliances. Et après, avec les 3 là, je pense que ça ferait assez de troupes pour lui, enfin, pour aller péter la gueule justement au Silène. J'espère, en tout cas. Parce que ouais, il a quand même des bons alliés. Mais 4 contre 4, franchement, c'est assez équitable et je pense qu'il y a moyen qu'on puisse faire quelque chose. Bref, je pense que ça va être le bon moment de terminer l'épisode là-dessus. Ça fait une bonne demi-heure que j'enregistre, j'ai pas envie de faire ça trop long. C'était pas mal comme épisode, franchement, et la campagne commence plutôt bien. Ça a l'air d'être pas mal du tout, et comme d'habitude, je remercie tous ceux qui m'ont rejoint. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode d'Imperatorum. Allez, salut tout le monde, bye bye!